Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous tous qui janouillés. Namiko, ces amis, nous faisons merci Dieu. De l'autre fois, nous dit merci. Merci ou fait nous confiance pour capable informer et merci pour fidélité ou avec patience ou. De l'autre fois encore, sous fait croiser avec Chanel Sar, nous dit bienvenue et sous remettre avec cap fait là, pas hésiter à abonner, activer cette cloche là comme ça pour recevoir notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Jeudi, c'est vendredi, nous matin vendredi qui 11 novembre, c'est week-end, nous souhaitons bon week-end et bon vendredi à toutes les fanatiques nous yo. Et bien toute équipe là à la ronde badet nous comptons rentrer la caillou nous porter pour vous toute information toute nouvelle cap dominer actualité puisque nous pourrons partager avec le journal créole méga matin nous toutes nous connaissons méga c'est pigo réseau radio haïtien gagné sous la tbni avec staff nouvelle là information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrer journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province, dans Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sous la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité sont priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Dernier sorti journal Méga Matin, c'est Kounia Soiten, Radio Méga, jeudi, c'est vendredi 11 novembre 2022. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph, qui a fait travail technique pour nous en Haïti. Sambabli Olatré, collaborateur à Miami. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon vendredi, bon week-end, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Quelques points là pour nous développer dans le journal là pour matin, vendredi, si là. T'es un gros courrier ailleurs dans tout bloc. Carrefourfeuille à côté Badigra-Ville, qui jeune si pas bas. Timaka qui a été envahi zone savane pistache, Badioté même tenté prend sous-commissariat zone ça. Jusqu'à hier soir, la police a été contre la situation. D'après un CPPOL, SPNH qui s'est Abelson Gronègre qui rappelait c'est une nécessité pour renforcer effectif la police dans zone ça par rapport à la menace gang qui sous monde dans zone là. Funérailles Eric Jean-Baptiste et funérailles là, n'a pas prescrit des général RDNP à Této Bambabal vendredi 28 octobre là, non la boule 12. Jour cap lundi 14 novembre, c'est à congé dans la commune. Kafou, nous connaissons Abdat Fédéral Eric Jean-Baptiste. En hommage à l'idée RDNPA, autorité communale a décidé renommer route Côte-Plage 18 là, avenue Eric Jean-Baptiste. En tout temps, Lucner Désir, acte Esaïe César, continue à monter des centres de CPJ après le fin de l'Ouko. Lucner Désir, hier jeudi, et tout balion l'autre convocation pour mercredi 16 novembre pour le présenter des CPJ. Mon souci de la Gona va continuer à prendre mauvais moments, souffrir, misère, grand goût, toute qualité. Bâtiment hésité à traverser la mer avec marchandises à cause de qui passe attaqué. Ça a créé une augmentation de produits alimentaires sans compter grand goût selon Kazek, 4e section en Sagalea au l'est, Pierre Louis. Dossier Haïti a retourné sous table discussion dans le pays Canada hier jeudi. Premier ministre canadien Justin Trudeau convoqué groupe intervention quelques municipaux ambassadeurs Canada en Haïti. Sébastien Carrière sous évolution crise là en Haïti. Justin Trudeau lui-même qui a mené une discussion a étudié plusieurs pistes solutions pour Haïti. Pour une collaboration États-Unis, Nations Unies, CARICOM avec la société civile haïtienne pour jouer nos solutions pour aider Haïti sortir de la crise étrouvelle jeudi. Par rapport à climat insécurité et stabilité qui gagne en Haïti, choléra Cap Taïbada en Haïti, au commissaire Nations Unies Cap défendre droit moun, Volker Tuik m'a des autorités dans la République dominicaine capé sous déportation haïtienne parce que conditions pareilles ne pourraient tout forcer, ça c'est leur communiqué ici là. Président dominicain Luis Abinader qui pas printemps pour réagir annoncer série déportation à Parapousib. Chef l'État dominicain a rappelé ces républicains dominicains qui plissent si supporter Pédaïti, malgré ces eux même tout qui plisse si bit crise Pédaïti. International n'a pas qu'à demander au plus passer ça d'après Luis Abinader. Autorité américaine, bon côté par eux, Paris pour prolonger TPS pour Haïtien à quelques autres nations, tant qu'on n'est pas là à Salvadorien jusqu'à juin 2024. C'est ambassade de Salvador dans le pays États-Unis, Milena Moyoga, qui confirme l'information. C'est dit qu'ancien et l'autre continue à exiger l'école. C'est que l'association nationale normalienne indépendante d'Haïti, responsable à NIO, rappelé ses obligations pour l'école à l'ouvrir. Mais avant ça, l'État doit baisser prix gazdan, résoudre le problème insécurité, à payer professeur à salaire, nommer enseignant qui peut gagner la nomination dans le système. Pour ça, à divers autres, fait essentiel dans le cadre dernier paraître journal Méga Matin pour matin vendredi 11 novembre 2022. Mais nous avons l'ouvrir journal avec Rubrica traversée pour nous connaître ce que nous sommes capables de traverser dans différentes zones pour matin et vendredi si là. Nous avons fait même exercice dans diverses villes provinces pour nous capables de porter information pour nous. Nous allons connaître comment ça y est matin dans Rubrica Primanger qui côté Abdias Aristide mené nous pour matin et nous allons connaître combien de goûts nous avons besoin pour un dollar américain selon BRH pour matin vendredi et pour finir nous avons rubrique météo côté nous allons connaître à qui laisse cela après le matin à qui l'a couché et qui ville qui département cap cela appelé pendant le week-end. Restez là pas tout monter bouton radio sur Radio Méga ou bien suivre le journal Méga Matin qui c'est journal créole pays n'a retourné dans quelques secondes. N'a rentré dans le développement information, j'en ai annoncé dans le titre journal. Hier là, bien bonnet, dans le matin, pour le coup de zam, t'as chanté dans le niveau deuxième circonscription de 15, ensemble avec troisième, non. N'a parlé dans la zone savane pistache à côté. Négazam t'es envahi et zone ça. On sait pas Paul, SPNH 17 là, Abelson Gronègre, fait qu'on est nègre dans catégorie ravine à Kabaz, Timakak attaqué. Hier jeudi 10 novembre, sous commissariat Savane Pistache et puis population dans zone ça. Abelson Gronègre, fait quoi, gain plusieurs monde qui sorti blessé dans le cadre d'attaque si là. Dans ce ça, li mandé recommandement la police pour prendre disposition pour voyer renforcer présence policier dans zone ça, dans quartier ça, pour empêcher Négazam, lui-même, vient prendre zone ça en otage. Pendant profiter rappeler MBC pas première fois n'exam a essayé prendre zone ça le rappeler dans temps te gagné tigé bien zone ça té n'exam t'a pas problème dans zone ça qui t'a empêché moun fonctionner d'après ça qui dit bon côté Abelson Gronègre nous pral inviter nous côté qui t'est parlé dans micro Radio Méga. Nous connaissons déjà, c'est tout le temps la pression, c'est ça que nous attendons. Haïti, c'est son pays qui lui a donné. Donc, l'objectif gang, c'est prendre contrôle tout côté qui gang pour établi. Et quand vous faites ces bastions, on dit côté que majorité moun sorti la plaine, quoi des bouquets, matissant, des réfugiés. Et dans ce moment-là, c'est une zone qui est plus ou moins safe. Et bien, vu que le policier, l'objectif gang, même c'est prendre tout sous-commissariat qui est dans la métropolitaine, dans la capitale, là, et bien, nous faisons tentative à matin vers les 6 et 7 mais c'est pas jeudi qu'on commence. Donc nous pas nous faut rappeler que sous si j'ai commencé à tenir dans Cafoufeuille, c'est policier Cafoufeuille sous commissaire qui était ensemble qui était repoussé monsieur Tigéo et bien jeudi à monsieur Timakatio déconcert Gravine. Donc les gars tenté pour prendre et sous commissariat, il était en pensant à côté Tigé qui la police est en récupérer et bien au coup de journée après contact que nous avec quelques monsieur dans le commandement pour bouiller renfort et dans zone monsieur n'a pas de prendre contrôle sous commissariat, mais ça n'a pas empêché monsieur continuer à tenir. Au moment que je parle avant là, c'est policier zone de conseil avec policier dans sous commissariat. Donc après comment ils sont capables dirigeants politiques des mouvements pour empêcher monsieur. Donc on compte que la montagne là, monsieur prend contrôle la montagne, c'est vrai, négocier là, il y a plein de faibles pour attaquer. Donc c'est pour ça qu'on a demandé depuis où DGLD, précis, voyez renfort en permanent, voyez renfort, donc pour mon Cafoufeuille, dans sous-commissariat et Savane Pistache. 3 ans de cela, j'étais toujours dit, sous-commissariat, il y a un problème effectif. Il y a un sous-commissariat qui a une gravine en balle, qui a un petit bois sous côté, et je dis à la, qui vient un petit macaque. Sous tête, donc c'est un sous-commissariat qui est supposé remplir avec les policiers. Donc il est important pour Dieu de prendre responsabilité, pour voyer renfort, voyer concours des policiers, une façon pour bataille à phénomène gang, ça, phénomène bandit, ça qui veut envahir tout le pays. Et nous disons non, car faut faire pas pendant gang encore, nous pas pendant l'autre sujet. Pendant l'attaque, ça, je dis à Abelson Gronègre, pas de monde qui est victime dans la population civile? Oui, gagné, matin, que ma vie, il est, mais faut que tu aies une bague d'activité depuis grand matin. Donc, rien que mon message à personne, mais je prends et sous-commissariat en l'air, moi m'a couru, et pour venir faire contact radio, c'est les femmes, j'en suis deux jeunes, donc on constate un jeune garçon pour balle en pied, c'est moi-même qui devais mettre le moto pour courir l'hôpital à qui, donc il y a des gens qui courent, qui te caillent, qui courent pied à terre, puis au viré, on a dû se poter, obligé poter, donc sous deux, on a poté au sous deux pour mener à l'hôpital. Donc il y a des gens là, c'est quitter, il a quitté zone, depuis matin et demi, c'est population qui a quitté zone pour aller réfugier l'autre côté, pendant qu'à ouvert, c'était bastion, refuge filtré, pour tout côté bandit qui a attaqué, mon c'est là pour venir pour réfugier, demander mon petit famille pour le je dis à les mounsaïou qui te quitté la plaine quoi des bouquets matissant yo te ka fait et je dis mêlé mon ka fait qui pas ka été ka fait qui côté ou le ka parler c'est voir qui côté mon c'est pour réfugié. Donc c'est pour ça n'a dit faut que la police prend responsabilité pour voler renfort by police savant pistation police ka vous fait yo nan et passé dit magloire boise rue Montigny yo façon pour qu'un zone nan pendant nuit là pour empêcher bandit envahir nous. Voilà, on t'a côté Abelson Gronègre qui t'a des détails sur la situation, ça qui te gagne Carrefourfeuille ailleurs. Gagné dossier haïtien qui retourné sous table discussion dans le pays Canada. Jeudi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau convoqué groupe intervention. Si gagne ici dans quelques municipaux ambassadeurs Canada en Haïti, Sébastien Carrière sous évolution crise qui gagne en Haïti. Nous parlons plus de détails dans le cadre de réunion ça qui t'est faite ailleurs entre Premier ministre canadien avec divers responsables dans un pays Canada côté table discuté sur crise qui gagne dans le pays d'Haïti. Jean nous Sodzola gagne Justin Trudeau qui convoqué dans Canada dans hier jeudi membre groupe intervention au gagne incident ministre et responsable canadien évolution situation en Haïti était sous table discussion dans cadre Nations Unies Rob Ria ambassadrice canadienne dans le pays États-Unis d'Amérique, Christine Hillman. Et puis pour parler, fait quelques jours après annonce sanction, pays Canada et États-Unis qui a adopté contre certaines personnalités dans le pays d'Haïti. Il y a chita sous plusieurs pistes solutions à crise qui gagne dans le pays. Parmi eux, il y a une collaboration avec Nations Unies, États-Unis avec CARICOM ou bien société civile haïtienne dans l'idée pour capable de joindre un moyen pour aider Haïti faire face à avec période critique, le journée aujourd'hui, le chef gouvernement canadien sollicité en collaboration avec différents partenaires pour faciliter accès à l'aide humanitaire avec monde qui n'a besoin dans le pays d'Haïti. Justin Trudeau est d'accord pour que nous mise en œuvre une solution sous leadership haïtien. Nous avons quitté le pays Canada avec le chef gouvernement Justin Trudeau lui-même qui a été fait convocation ça hier jeudi pour venir la canne en Haïti puisque Pabli c'est convocation ça au Chita sur question de criminalité Zach banditis qui a fait en d'un pays. C'est pour ça qu'on a tout fait qu'on est la fédérale Eric Jean-Baptiste Nega Xam été assassiné vendredi 28 en 10 octobre c'est dans zone la boule 12 a chanté lundi 14 novembre dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. C'est notre parole patient docteur Ricardo Nordin qui annoncé nouvelle là. Une cérémonie hommage à organiser et dimanche à venir là pour les faire dans le local Patillon qui trouvait dans Delma à 49 numéro 19 en côté et docteur Ricardo Nordin pour plus de détails. D'entrée de jeu funérailles lancé pour lundi 14 novembre 2022 à 7h30 n'a bien exposition à 9h30 n'a bien messe et nous-mêmes comme famille politique, nous avons organisé, par le temps qui court, nous n'avons pas qu'à organiser vraiment veillée patriotique, cependant, nous avons organisé une journée d'hommage en l'honneur secrétaire général RDNP qui a fait le dimanche 13 novembre 2022, quartier général RDNP qui au niveau de Delma 49, numéro 19. En ce sens, nous-mêmes dans RDNP, nous sortis un communiqué de presse que moi-même, Dr Ricardo Nordin, secrétaire général RDNP, bral livre nous. Communiqué de presse du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Partisans, sympathisants, amis, la presse en général, et tous ceux qui sont affectés par le triste départ de son secrétaire général, très regretté Éric Jean-Baptiste, que les funérailles seront chantées le lundi 14 novembre 2022 à 9h30. L'exposition aura lieu à 7h30 à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Une journée d'hommage sera organisée au quartier général du parti 6O, numéro 19, Delma 49, le dimanche 13 novembre 2022, entre 12h et 6h. Docteur Ricardo Nordin, secrétaire général adjoint à la communication du RDNP. N'a toujours été sous même dossier ça, et animateur émission analyse politique matin débat Lucner Désir dit locaux qui était présenté là dans la direction centrale police et judiciaire, là, plus précisément dans le local bureau affaires criminelles dans le cadre d'enquête sur l'assassinat Eric Jean-Baptiste. Toutefois, travail de la presse recevoir une autre convocation pour mercredi 16 novembre dans le cadre d'une affaire qui est en cours. Et plus passer une semaine après elle recevoir une convocation pour présenter dans la direction centrale police et judiciaire mardi 8 novembre là. Journaliste a présenté l'accompagné avec un co-présentateur émission Esaïe César. Il était recevoir une autre invitation pour ailleurs jeudi 10 novembre là, après convocation ça. Il y a l'autre rendez-vous qui est programmé pour 16 novembre. Cap Vinila, direction centrale police et judiciaire, Mando pour capable présenter dans bureau affaires criminelles qui situé dans Claircine 6, route pour prolonger mercredi 16 novembre 2022 à 10h le matin. Dans sa convocation, ça fait dans le cadre d'une enquête qui est en cours. C'est ça, nous capables dans le cadre de correspondance qui est adressée à Natif Gonaïve, ou bien qui c'est Lucner Désir. Pas information pas claire sur raison convocation ça. Est-ce que le rapport avec assassinat homme d'affaires Eric Jean-Baptiste, dossier côté que le recevoir de convocation. N'avancez toujours avec information dans le journal Méga Matin pour matin vendredi Anne Pralela sous l'île de Lagonave côté coordonnateur Kazek 4e section Grand Lagon au l'est Pierre-Louis dénoncé inspecteur police commissariat en Sagalea Félidon Lucner qui est Kembe dans Gadavi 3 jeunes acteurs cinéma depuis 27 octobre selon Saldi à cause de juin un faux minote à Kazam Navalizio matériel ça a été utilisé pour jouer rôle policier dans feuilleton d'après coordonnateur Kazek, malgré les marchés familiaux fait bon côté autorité policière, inspecteur policier refusé pour les trois jeunes au tribunal. Parole au l'est Pierre Louis qui c'est coordonnateur Kazek 4e section Grand Lagon en Coutel. Malgré le fait presque 2 mois, il n'est pas souterrain, mais par téléphone, tout ça qui est dans le commissariat, il a dirigé à distance. Eh bien, il y a 2 petits messieurs qui jouent feuilleton. Mon yo joue film, garçon couret, qui a un peu le monde qui a checké film, ça sur YouTube. Et après, puisqu'il y a un petit monsieur qui joue rôle, qui gagne en plastique dans main avec une minote, n'est pas dans main, le petit venu, c'est dans la valise. La police vient, la police qui vient pas te connaître, les policiers pas te connaître, mais ils mènent dans le commissariat. Depuis le 27 octobre, jeudi, en fait 15 jours, ils ont garde à vue, l'inspecteur n'a jamais décidé de voyer au tribunal pour la justice. Eh bien, comme ça, la famille a été obligée d'aller auprès du tribunal là, ils ont fait des placements au tribunal là, fait constat que ça a été gagné et qui c'est manioc douce, et John, Kenep, Kachima avec viande. Et puis, ils sont sortis, le bel platon, ils ont monté. Pendant qu'ils ont rencontré, ils ont arrêté, ils ont allé au commissariat, inspecteur tout Kembeo, ils n'ont jamais délivré devant le juge, ils ont condamné sans juger. Juge de paix, après constat qu'elle fait, qui c'est à mardi, semaine ça même, eh bien, juge de paix, voyons ordonnance, ou bien voyons, ils ont correspondance bail commissariat pour mener monsieur au tribunal. Malheureusement, ici, qui portait et construit dans sa baie commissariat, il tournait tout honte avec commissariat, l'inspecteur a dit pas recevoir correspondance là. Il pas accepté recevoir correspondance là et il tournait venu un juge là. Ça avec un peu l'étonnement, dans le tribunal là, tout avocat étonné, juge de paix étonné parce que c'est la première fois, il y a une correspondance sur le tribunal là, jeune un commissariat, un policier, il pas recevoir et ça vient faire sentir que la police n'est pas auxiliaire à la justice, c'est la justice qu'on a liberté à la population a décidé. Non, c'est ça. Ou même, en tant que coordonnateur de la 4e session, on dénonce ça. Ça fait dénoncer ça, c'est parce que il y a son entendé dans la rue, il y a des gens qui pensent même pour essayer de faire une justice, et ça qui n'est pas bon pour la population en soi là, parce que si il y a une population qui t'a envahi le commissariat, nous connaissons capable de victime de la population. Les comme c'est une victime de la population, bien toute si majorité envahie, même la police, nous avons des policiers, nous perdons du tout, et les ça lui-même lui cacher pour presse, il parvient sur le terrain, mais policiers innocents, c'est eux-mêmes qui ont une possibilité de victime dans cette scène. Et c'est ça, pas arrivé, ça fait m'oublier dénoncer ça au niveau de la presse. Nous avons toujours été avec Kazek au l'Est, Pierre Louis, colonnateur Kazek 4e section Grand Lagoin, au l'Est, Pierre Louis a tiré attention aux autorités centrales sur l'insécurité à Captaï, Bada sous la mer, côté bandit, passissement de volets, bâtiments à tout temps, marchandises.